الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bienvenue aux croyants croyantes dans le sanctuaire le Jumu'ah, يوم الجمعة. Allah Azza wa Jal, depuis l'arrivée de Sayyidina Adam alayhi salam, sur chaque prophète, il a imposé une journée d'arrêt. Un sanctuaire où le serviteur il arrête et il se libère de toutes les tâches et il célèbre son Seigneur. Et cela a été rendu formel, obligatoire avec Sayyidina Moussa alayhi salam quand il a reçu les 10 commandements, où parmi un il y avait ce que les Bani Israël ils vont appeler Shabbat, la journée sanctuaire où tout s'arrête. Et pour les musulmans, Allah Azza wa Jal les a favorisés avec la couronne des journées, le Yawmul Jumu'ah, qui malheureusement, nous ne soulignons pas à sa propre mesure. Nous ne rentrons pas. On doit rentrer dans le Jumu'ah comme on rentre dans un rite. On doit se préparer comme on se prépare pour aller au Eid. Et on doit arrêter, faire un temps de pause et ne pas trouver toutes les méthodes pour se soustraire à ce temps où Allah Azza wa Jal appelle le serviteur à relâcher, à célébrer et à créer un sanctuaire. Ce sanctuaire est important et il accorde pour le serviteur le succès. Il accorde pour le serviteur la bénédiction. Allah Azza wa Jal a fait un sanctuaire pour l'année. Il a fait un sanctuaire pour la vie. Il a fait un sanctuaire pour l'année. Il a fait un sanctuaire pour la semaine. Il a fait un sanctuaire pour la journée. Pour la vie, le sanctuaire Hajj. Celui qui, alors, a les moyens et a la possibilité, un jour, il ferme toutes les portes de la dunya. Il règle toutes ses obligations et il marche vers Baytullah. Le sanctuaire de l'année, quand vient Shahr Ramadan, Shahr Ummati, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est le mois de sa Ummah. Le serviteur se prépare à l'avance. Traditionnellement, les gens se préparaient pour Ramadan deux mois à l'avance, dès l'entrée de Rajab. Il se prépare spirituellement et physiquement. On se libère des obligations, on emmagasine pour les provisions et on crée le sanctuaire pour rentrer dedans et pour se dédier. Pour la semaine, Allah Azza wa Jal nous a favorisés avec ce sanctuaire. Et Mawlana Sheikh Nazim Qaddas Allahu Sirruh, toujours, il l'attendait avec beaucoup d'attention. Le jeudi après-midi, après le Asr, il allait au hammam. Il allait au hammam traditionnel. Quelqu'un le conduisait. Il restait là-bas pendant une bonne heure et il faisait le lavage rituel et il faisait l'exfoliation. Il se préparait et parfois il se rasait. Pour rentrer, il arrivait avec le roussoul plein à rentrer dans le sanctuaire de Jumu'ah. Et à partir de là, tout était ornementé pour célébrer cette journée. Quand on était avec lui à Chibre, le matin du vendredi, c'était le seul fajr qu'il quittait sa maison. Et il venait à la derga et il priait avec tout le monde l'intégralité de la wazifa. Les autres journées, il priait dans la maison avec sa famille et les gens qui étaient invités et les mourides, ils étaient. Et toute la journée était pour cela. Les gens se préparaient sur le roussoul, mettaient leurs plus beaux habits. Habituellement, voilà, ils faisaient la tournante des différentes villes à Chypre et un bus venait, attendait, on partait pour Jumu'ah. Ensuite, les gens étaient libres. Et il invitait les gens à la fin
de vendredi, après le Hassan, à soit être dans leur famille, ou ceux qui étaient à Chypre, ils étaient dans la Derga, prenez la dernière heure, elle est particulière, faites salawat. Lisez un peu de Maoulid, lisez un peu de Daroud, faites la louange au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lisez le Dalal Khayrat, tout ce que vous pouvez, jusqu'à ce qu'on sorte du sanctuaire. Le sanctuaire de la journée, Fajr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi ce sanctuaire où le serviteur, il laisse toute chose. Alors que la ville est occupée, il se libère, se prépare, se réveille, s'assoit seul avec son Seigneur. Ni il a de préoccupations de dunya, ni il a le bruit du voisin qui le dérange, ni il a l'appel de telle ou telle chose, toute la ville est apaisée encore et il est seul avec son Seigneur et il a libéré ce temps. Nous devons nous rappeler cela. Toujours le shaitan, dans un temps où le temps a accéléré et nos obligations sont nombreuses, il nous trouve des excuses. Allez, Maalish, tu dois aller au travail. Maalish, tu as telle ou telle obligation. Le serviteur, le croyant, qui est assidu et qui actionne, qui agit sur sa foi davantage pour aller chercher la satisfaction de son Seigneur, toujours, il redouble d'efforts pour chercher le plaisir de son Seigneur, pour mettre un effort supplémentaire, pour dire, tout ce temps est consacré pour les choses de ce monde, celui-là est le sanctuaire que je consacre à Allah. Comme Wali Abbas, le saint du mois de Rajab. Il avait une activité désobligeante toute l'année, quand venait le mois de Rajab, il disait à Allah, je crois en toi, je te rends ton obligation sur ce mois, et pour le reste de l'année, laisse-moi vaquer à mes occupations. Le respect du sanctuaire de Rajab lui a valu tous les honneurs d'Allah Azawajal pour faire descendre à son enterrement tellement d'anges que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'arrivait même pas à marcher. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été appelé pour aller faire la prière sur lui, ce qui était rare. Quelqu'un qui... parce qu'il a respecté le droit d'Allah. Le droit d'Allah pour le croyant, il doit être au-delà de tout. Qu'est-ce qui est le droit d'Allah? Et nous rappelons ce droit pour chacun d'entre nous. Nous le rappelons également pour nos dirigeants. Nos dirigeants qui ont oublié, qui sont en train de gouverner, et ils ne se demandent pas quel est le droit d'Allah. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde ce rappel sur le sanctuaire, comment il est valeureux. Et Maulana Cheikh, Hicham nous enseignait des enseignements de grand cher. Allah nous a accordé une faveur pour ouvrir un sanctuaire à chaque moment. Vous vous asseyez, vous avez quelques minutes. Mais toutes ces intentions, la story aussi. Et même si ça dure une minute, ce sanctuaire, chez Allah, il est d'or pour le serviteur qui a tout lâché quelques instants, même sur une minute. Ne soyons pas les gens de Raflat. Toute la journée passe et ce n'est que quand vient la fin de la journée, toutes les obligations, toutes les... là on s'assoit, on se rappelle qu'on a des prières à rattraper pour notre Seigneur. Trouvez un moment, laissez tout. Pour un instant, même si ça dure quelques minutes, qu'Allah nous fasse des gens de cette intimité, de ce rappel, et la haratina bil fatiha.